Michel et Mimi font Gandia. Bonjour à tous. Je vous dis merci d'être là. Malgré le silence, je ne vous ai pas oublié et la preuve, je vous reviens avec cette recette de sauce tomate au poisson appelée Wevimu en langue fon et Obeja en langue yoruba. À tout de suite pour la recette. Je vous mets ici la liste des ingrédients. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir voir la liste complète des ingrédients pour cette sauce. Tout d'abord, il faut savoir que la sauce tomate appelée nsunsi ou omiyobe, c'est une sauce qui accompagne beaucoup de plats au Bénin. Ça peut accompagner le plat de riz, le plat d'atassi, les différentes sauces gluantes et la pâte, etc. Donc, c'est une sauce incontournable dans la cuisine africaine, dans la cuisine béninoise en particulier. Il est conseillé également de bien assaisonner le poisson, les morceaux de poisson, soit la veille, faire une marinade la veille, soit une heure avant la cuisson. Vous vous doutez bien que pour faire une bonne sauce de tomate, il vous faut de la tomate, évidemment. Mais le vrai challenge réside dans la manière de composer cette sauce pour qu'elle ne soit pas acide, pour qu'elle ne soit pas fade dans la bouche. Donc il faudra dans un premier temps mettre un peu de bicarbonate dans la purée de tomate pour que l'acidité puisse être enlevée et ensuite de bien faire cuire la tomate sans toutefois la noyer d'huile et de respecter le temps de préparation pour que vraiment la sauce soit agréable à manger. Alors, mesdames, mesdemoiselles et même chers messieurs, je sais que vous êtes de fins connaisseurs, que je ne vous apprends rien. C'est pour cela que la vidéo est un peu raccourcie. Donc, je viens de vous montrer comment je fais ma sauce tomate, les étapes. Je n'ai pas besoin de trop parler, vous comprenez bien. Si vous avez des questions à me poser par rapport aux étapes, n'hésitez pas, des suggestions et même des critiques, n'hésitez pas. Mettez-les en commentaire, likez, partagez s'il vous plaît. Et merci beaucoup d'être là pour moi. Merci d'être là pour la cuisine du Bénin et pour la cuisine africaine. Nous sommes là pour partager et non pour autre chose. N'hésitez pas, s'il vous plaît, commentez. Idéalement, je la mange avec du riz, cette sauce. Le jour même avec la pâte badewo, la pâte de maïs, ça passe du gombo comme je l'ai illustré dans cette vidéo. Donc voilà, donnez libre cours à ce qui vous inspire et on se dit à très bientôt. Je vous invite à liker les vidéos de Serge Ananou, notre compatriote dont j'utilise ici le son. Il fait de très bonnes choses. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, à aimer et à vous abonner plutôt à sa chaîne. Merci. À très bientôt. Miam miam.